Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui, un carton. C'est sympa, c'est joli. Et voilà, ça sera tout. Non, bien sûr, je rigole. Aujourd'hui, on fait un nouveau format parce que j'ai jamais testé. J'aime bien la nouveauté. On va se faire un petit open the box. Alors, à savoir que j'ai effectué une commande chez le Sog Store by Spielbar. Sog Store, dont vous trouverez le lien en description. C'est une boutique sur Facebook et le Spielbar, c'est une boutique physique qui se situe au Luxembourg. Le Sog Store, ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux en ce moment. Ils font de belles promos. Ils sont très sympathiques, très bon contact, des réponses très rapides à tous les messages. Vraiment, allez-y, les yeux fermés. Moi, je fais un open the box aujourd'hui sur leurs produits. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, je veux voir ce que donne la qualité de leur emballage, la qualité des produits qu'ils envoient. Bah, forcément, c'est du Games Workshop, vous verrez ce que j'ai commandé à l'intérieur. C'est juste pour voir et vous montrer à quel point c'est qualitatif ce qu'ils proposent, en plus d'être très sympathique et rapide, parce que j'ai reçu ce colis vraiment rapidement, avec un super suivi. J'ai été informé par Arnaud qui s'occupe des envois en direct. J'ai ensuite récupéré dans un petit Mondial Relais à côté de chez moi. Voilà, donc on va faire, forcément, hein, on va commencer par ouvrir le carton. Comme on peut le voir, il est quand même bien emballé, pas de souci, tout est bien accroché. Pas de problème. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, du renfort, du renfort, du renfort. Tout ça est tout bien installé, tout bien serré. Une petite facture avec... Ah! Un petit mot sympa de Arnaud. Un petit mot manuscrit, voilà, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Eh bien, comme vous pouvez le voir, un petit bouquin. Nous avons ici L'Ombre du Régent, Gardien du Trône. Donc, c'est le bouquin qui sort sur les custos. Forcément. Avec les deux personnages tout nouveaux pour l'anniversaire de la Black Library, L'Ombre du Régent. Donc, c'était un coffret avec lequel j'ai reçu les deux figurines qui vont avec. Donc le bouquin plus les deux figurines. Et également, forcément, en tant que grand fan de l'Hérésidorus, j'ai commandé le dernier bouquin du siège de Terra, le premier rempart. Donc tout est dans un état impeccable. Mondial en relais n'ont rien saccagé. C'est deux très beaux bouquins. J'ai de quoi lire pour un petit moment. Donc avec celui-ci et L'Ombre du Régent, c'est pas le même format, mais c'est deux beaux livres. Donc le premier est écrit par Gavtorp, qui est relativement connu dans le milieu, et Chris Rafe pour L'Ombre du Régent. Voilà, donc évidemment avec ça, on a reçu ceci. Et bien, je vais l'ouvrir de suite. Black Library Célébration 2020, et on va voir ce que nous avons là-dedans. Je rappelle que vous aurez en description tout ce qui concerne Sog Store, le Spielbar, avec l'adresse. Je crois qu'il y a un site internet qui est en construction. Et vous aurez toutes les informations en description. Et la boîte habituelle. C'est du Games. Et qu'est-ce qu'on a? Et là, on a sur une grappe, on retrouve les deux figurines avec deux petits sursocles scéniques, qui va les rendre encore plus sympas. Donc ça, c'est celui pour la demoiselle, la sœur de bataille, et celui-ci pour Valérian. Donc il y a eu un peu de débat concernant son visage. J'ai entendu dire qu'il ressemblait à Trump. J'ai entendu pas mal de choses. À savoir aussi que il y avait une histoire sur les coups en poing qui étaient donnés. Voilà, puisqu'on est là-dessus sur deux figurines dans l'unité, 188 points par figurine. Je pense que c'est une petite coquille. Je pense que c'est l'ensemble qui vaut 188 points. Parce que sinon, ça fait quelque chose qui est vraiment pas rentable du tout en termes de jeu. Je pense que de toute façon, c'est plus des figurines de collection. En l'occurrence, c'est comme ça que je les ai pris, plus que des choses vraiment compétitives. Puisque, en gros, Valérian, c'est un shield captain avec une relance. Voilà, c'est la seule chose qui change vraiment. Voilà, grâce au laurier doré. Relancer un jet de touche, de blessure ou de dégâts. Voilà.
Après, bah, les aptitudes de Aléa, c'est une sœur du silence. Donc, fatalement, on ne peut pas la cibler au psy. Et elle fait un malus pour les psys autour. Donc, rien de foufou, on va dire. Mais vraiment de belles figurines. Que là, je montre. Voilà. Monsieur Trump, si vous nous regardez, petite pensée pour vous. Et voilà. Donc, bah, peut-être j'essaierai de me filmer en train de les monter et les peindre, même si c'est pas trop mon fort. J'hésite peut-être à les faire par quelqu'un de plus compétent. Mais en tout cas, voilà. L'envoi était propre, soigné, rapide, la communication bonne. Donc je vous invite sans souci à aller vers Arnaud, qui s'occupe de la communication du Sock Store. Et si vous êtes près du Luxembourg, n'hésitez pas à faire un petit crochet au Speedbar. Vous y trouverez de magnifiques tables de jeu, dont une table Imperium qui arrive vraiment d'une autre planète. Valentin qui fait les décors pour le Speedbar est très très doué. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée si vous me regardez le matin, une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et à bientôt sur Outlaw Wargame.